Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet événement de l'Amazon du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Jean Blanchet, je suis conseiller en développement durable à la Maison du développement durable. Vous le savez, la Maison du développement durable, c'est un carrefour d'échange, de réflexion et d'innovation en développement durable. C'est aussi un bâtiment écologique et qui soutient le développement de ses membres. Nous animons aussi une programmation d'événements qui permet aux acteurs de changement de se rencontrer, se regrouper et collaborer afin d'amplifier l'impact de leurs actions. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir et de présenter la troisième itération du Gala 2021 du Conseil régional de l'environnement de Montréal pour récompenser les lauréats, cette fois-ci sur le thème de la gestion des matières résiduelles. Notez que nous sommes en direct sur Zoom et également sur Facebook, sur la page Facebook de la Maison du développement durable et de celle du Conseil régional en environnement. Ou que, peu importe le canal par lequel vous nous écoutez, vous pouvez faire des commentaires dans les... Vous pouvez nous poser des questions à nos invités dans les commentaires de chaque page. Nous allons les relayer à nos invités en temps et lieu. Avant de débuter, j'aimerais remercier les partenaires de la Maison de développement durable, Hydro-Québec, le partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Finalement, je vous invite à suivre la Maison du développement durable, soit par infolettre, par page Facebook et le Conseil régional en environnement, pour avoir accès à ces diffusions par la suite. J'arrête ici pour ma partie. Je cède la parole et l'écran à Caroline Gosselin, coordonnatrice des communications et des événements du Conseil régional en environnement, qui sera notre animatrice pour aujourd'hui. Caroline, l'écran est à toi. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour cette belle introduction. Bienvenue à tous. Bienvenue à effectivement la troisième conférence des lauréats du Gala du CREU Montréal. Troisième conférence sur le thème de la gestion des matières résiduelles. Donc, cette conférence-là est organisée justement par le CREU avec la collaboration de la Maison du développement durable, mais présentée spécifiquement par Hydro-Québec, dont la petite vidéo dès le début pour ceux qui étaient déjà branchés à midi. Puis, le CREU est un organisme de charité qui veut mettre de l'avant les milieux de vie durable en santé, l'environnement et le développement durable sur toute l'île de Montréal. Donc, pour ce faire et pour encore mieux valoriser les projets qui sont faits tout au long de l'année, le Gala du CREU a été inauguré il y a maintenant 15 ans. Donc, on fête le 15e anniversaire du Gala avec quatre panélistes extraordinaires pour finir. Ces quatre lauréats-là viennent d'un bassin de 10 lauréats. Ces 10 lauréats avaient été présélectionnés dans un bassin de 18 finalistes qui eux-mêmes venaient d'un bassin de 45 candidatures exceptionnelles de toutes les organisations, de tous les niveaux d'organisation, autant de l'OBNL, association, que des moyennes et grandes entreprises, donc avec des milliers d'employés. Pour aujourd'hui, j'aimerais ça justement, avant de vous présenter les lauréats, vous présenter un peu le déroulement. On va fonctionner en trois étapes. La première section, c'est une présentation par les lauréats de leur propre réalisation. Donc, on a quatre lauréats aujourd'hui qui vont, après ça, répondre à des questions dirigées et ensuite des questions du public. De là, l'offre sur le chat du Zoom ou sur Facebook de nous poser aussi des questions, de leur poser, pas moi, de leur poser des questions pour en connaître plus ou pour connaître certains détails. D'aller chercher le petit détail qui vous intéresse dans leur présentation. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de parler avec l'arrondissement de Montréal-Nord, Monsieur Yves Equila, chef de division parc et horticulture. On va aussi parler avec Éco-Céno, Anne-Catherine Lebeau, directrice générale. Avec Transcontinental, Charles-David Mathieu Poulain, qui est conseiller principal économie circulaire, et Tricycle, avec Louise Hainaut-Étier, directrice de recherche, développement et innovation. Ils vont se présenter tour à tour, ils vont présenter leur réalisation.
Puis, tout est en ordre alphabétique pour l'instant. Donc, on ne voulait pas faire de favoritisme ou quoi que ce soit. Donc, les organisations seront présentées par ordre alphabétique. Les questions, par contre, là, ça sera, on va s'amuser à les piger aléatoirement dans nos quatre, avec nos quatre panélistes. Puis, ben, avec ça, je pense que moi, de mon côté, j'ai fait le tour. Donc, l'introduction, on va casser la glace aujourd'hui avec M. Yves Equila de l'arrondissement Montréal-Nord, qui a le projet pilote de collecte par conteneur semi-enfoui. Donc, on vient de perdre la caméra. Oui, OK. Allez-y, M. Equila. Oui, bonjour à tous. Merci, Caroline. Donc, Montréal-Nord, on a mis en place ce projet de pilote hein, de collecte des matières résiduelles, de matières recyclables et même aussi des résidus alimentaires à travers des conteneurs semi-enfouis. J'aimerais juste revenir un tout petit peu ici dans un contexte. Le secteur nord-est, c'est un des quatre secteurs de Montréal-Nord, un secteur assez particulier parce qu'ici, on a quand même, c'est un cadre bâti qui est là, qui n'est pas favorable justement à une meilleure gestion des matières résiduelles parce qu'on a quand même peu d'espace pour aller disposer de ces matières dans un balcon. Des fois, on les met ici sur les marges latérales des bâtiments, ce qui fait qu'on avait en permanence des matières résiduelles quasiment sur le domaine public. Et aussi, un autre point qui est assez important de noter aussi, dans ce secteur en particulier, on a quand même près de 92% de personnes qui habitent là qui sont locataires. Et en général, les propriétaires ne vivent pas dans ce secteur-là. Et on a aussi là une certaine mobilité des gens qui arrivent et qui déménagent quasiment au gré des saisons. Et aussi un secteur qui fait vraiment l'objet de non-respect de la réglementation. Comme je le disais, on ne respectait pas les horaires de collecte. Tout le temps, on avait les matières en bordure de rue. Et donc, ça générait là vraiment des nuisances. Et aussi, surtout, beaucoup de plaintes hein, de la part des citoyens. Donc, on a essayé vraiment là de pouvoir prendre en considération cette situation-là. Et au niveau de l'arrondissement, on a donc mis en place en concertation avec les citoyens un plan d'action concerté. Si on peut passer, Caroline, à la prochaine étape, où ici, vraiment, on a été mobiliser les différents groupes de citoyens. On a quand même certains organismes qui sont là, bien représentés, un itinéraire pour tous, Parole exclue, Racine, l'éco-quartier également à travers Econor, qui est un partenaire historique aussi pour nous. Donc, on a vraiment été mettre en place un plan d'action collectif qui vise à aller répondre à ce besoin d'insalubrité. Et parmi les actions qui avaient été proposées par les citoyens eux-mêmes, c'était vraiment là le besoin d'aller mettre en place des bacs semi-enfouis en bordure de rue. En général, ce type d'outil se retrouve sur le domaine privé. Donc là, on va dire à Montréal, c'est la première fois qu'on le fait vraiment sur le domaine public. Et donc là, on a vraiment été dans une démarche, il fallait faire quand même un sondage auprès des citoyens, essayer de comprendre quelles sont leurs attentes par rapport à ces outils qui s'en viennent, c'est quoi les points de vigilance qu'il faut absolument tenir compte pour qu'il y ait un facteur de réussite. Et surtout, l'arrondissement s'est vraiment donné les moyens par les contributions financières pour aller faire embaucher des personnes qui sont là pour expliquer aux citoyens comment mieux utiliser ce type d'outils-là. Et donc, c'est bien sûr un projet qui a été fait en partenariat avec la Ville de Montréal, le service d'environnement, donc qui a vraiment été en amont du projet avec nous. Ils ont lancé un appel d'offres, tout le financement, c'est un financement Ville de Montréal. Donc, un projet en deux étapes. Première étape, installation des îlots de conteneurs semi-enfouis. D'abord, sur Jubainville, la première rue, l'année dernière, donc ce qui fait l'objet de ce projet pilote. Et cette année, on a deux autres rues qui vont aussi faire l'objet d'implantation. Et aussi, en parallèle avec ce projet-là, il fallait ensuite, bien sûr, tenir compte du fait qu'on va aller mettre en place des nouveaux contrats de collecte pour aller faire des levées de ces bacs semi-enfouis qui se mettent sur rue. Donc là, voici globalement les différentes étapes, mais une des grandes, grandes phases qui a été très importante dans ce projet-là, c'était vraiment la mobilisation des citoyens autour de ce projet-là. On va prendre la prochaine slide. Alors, donc, juste pour revenir sur les facteurs clés de succès, vraiment en amont de l'implantation, quasiment depuis, on avait implanté le projet à l'automne 2020, mais dès le début du printemps, on avait une grosse campagne d'information, sensibilisation, éducation qui a été faite encore une fois avec nos partenaires historiques, les organismes du milieu. Il y a eu du porte-à-porte, il y a eu des patrouilles qui ont été allées chercher là aussi les différentes attentes des citoyens pour leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient, les incidences que cela va avoir, le fait d'implanter les bacs semi-enfouis, ça va affranchir les citoyens de cette restriction-là au niveau des horaires. Donc, ils ont le temps, ils ont là la possibilité d'aller porter tous les jours leur matière résiduelle, recyclable et les résidus alimentaires dans les bacs semi-enfouis qui sont là sur la rue.
Et au niveau de la ville, nous, on fait des levées deux fois par semaine pour chacun des types de matières. Et aussi, un autre facteur clé pour le succès de cette opération-là, ça a vraiment été les partenariats qu'on a été chercher. En tant qu'organisation municipale, on a vraiment été sur place, les inspecteurs, moi-même, j'étais sur place pour essayer de mobiliser ces personnes-là. On a mis les actions ensemble, les actions qui font l'objet de suivi aussi. On peut faire des corvées, on peut faire des kiosques qu'on tient, des fois, tous les bacs se mettent en fou pour mieux expliquer. On a développé des outils d'information, des dépliants, tous ces types d'approches qui ont permis vraiment là de nous assurer que les citoyens ont bien compris de tous les différents changements qui sont mis en place dans ce secteur-là. Et surtout aussi, on a quand même aussi des patrouilles régulières de nos contremaîtres qui envoient des fois les cols bleus aussi pour faire une certaine surveillance autour des bacs semi-enfouis. Alors, quand même, c'est un projet qui est en cours de développement. On a quand même encore ici des points de vigilance qu'il faut quand même noter. C'est malgré toutes ces démarches de sensibilisation, comme je le disais au début, on a quand même des gens qui changent, qui déménagent, qui ont cet enroulement de population. On a comme l'impression des fois que le message ne passe peut-être pas encore. Donc, du coup, on a un besoin d'aller à chaque fois faire une vigie régulière. Et du coup, on se ramasse des fois, quelquefois, avec des dépôts sauvages ou tous les bacs semi-enfouis. Et donc, les actions qu'on prend à ce moment-là, on fait vraiment un nettoyage autour par nos cols bleus. Et on continue aussi par le référent de propreté qui a été embauché par l'organisme du milieu pour sensibiliser, rappeler aux personnes quels sont les bons coups, les bons points, qu'est-ce qu'il faut surtout faire pour éviter qu'on se ramasse avec des dépôts sauvages ou tous les bacs semi-enfouis. On a aussi pu développer, on s'est rendu compte qu'il y avait un point assez particulier, c'est certains citoyens d'autres rues arrivaient sur la rue Jumainville de nuit des fois déposer les matières résiduelles. Donc, ça c'était un des enjeux. Donc, on est en train de travailler en ce moment justement à faire des ajustements autour de ce projet-là. Donc, globalement, pour faire une certaine conclusion autour de ce projet-là. C'est un gros projet quand même qui a démarré au fin 2018. Beaucoup de mobilisation en amont. On a travaillé un plan d'action concerté qui a fait l'objet de beaucoup de révisions qui a été présenté auprès des citoyens avec les élus. Les élus ont participé également. Et ensuite, on a pu mettre en place ce projet-là en collaboration avec nos différents partenaires. C'est une première étape. On souhaite aller encore un peu plus loin parce que l'idée pour nous en tant qu'organisation municipale, on souhaite vraiment fournir aux citoyens le meilleur service de qualité et surtout aussi leur donner un milieu de vie le plus agréable possible. Merci. Merci Yves. Belle description du projet, effectivement. Beaucoup, beaucoup de participants, beaucoup de partenaires, donc félicitations. On passe avec Éco Séno et Anne-Catherine. Le micro, Anne-Catherine. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Donc, oui, ça me fait très plaisir de vous présenter Éco-Séno aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord dresser le contexte. Alors, on a le grand privilège d'habiter dans Montréal, qui est une métropole culturelle reconnue et qui s'est dotée aussi d'un plan de gestion de matières résiduelles qui veut tendre vers le zéro déchet. Donc, la vitalité montréalaise, la vitalité culturelle, c'est vraiment doit être un moteur dans la transition écologique. Donc, ce qu'on aspire à faire avec la culture, c'est vraiment de laisser des traces positives et d'inspirer des changements radicaux. On ne veut pas laisser des montagnes de déchets à la fin des tournages, des expositions, des événements ou des spectacles. Donc, oui, Caroline, tu peux passer à la prochaine slide. Donc, évidemment, on commence à être pas mal au courant que le système de recyclage n'arrive pas à tout recycler, à tout faire disparaître. Il n'y a pas de magie. Les sites d'enfouissement à Montréal débordent. Et on sait surtout, pour être issu du domaine culturel, que la plupart des matériaux qui sont jetés pourraient avoir vraiment plusieurs vies. Donc, on va passer à la prochaine slide. C'est pour ça qu'on est certain que ce qu'il faut, c'est vraiment un changement de culture. Et ce changement de culture-là passe par les services qu'on déploie, nous, chez Éco-Séno. Ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est vraiment transformer les règles de l'art. On veut offrir des services qui vont permettre de mettre les ressources en circulation, puis vraiment éviter que ça tombe dans l'enfouissement plutôt que ça rebondisse vers plusieurs nouvelles vies. Donc, on est vraiment un agent qui met en contact toutes les personnes du réseau.
ce qu'on veut, en fait, c'est créer une culture montréalaise qui soit caractérisée, que son excellence soit caractérisée par son ingéniosité à aller vers le réemploi, parce qu'il y a énormément de matériaux en ce moment qui peuvent être réutilisés. On passe à la prochaine slide. Donc, tout ça, ça se fait avec une équipe formidable. Ce qui est important aussi à mettre de l'avant, c'est que des systèmes en économie circulaire, de réduction de matières résiduelles comme Ecoséno, ça crée des emplois. Ça crée des emplois stimulants, intéressants et ça crée des nouvelles connaissances aussi. Donc, c'est l'équipe d'Ecoséno qui est passée. Donc, en juillet dernier, on était 2 à 9 personnes aujourd'hui. Donc, il y a une photo ici dans notre entrepôt aussi qui est située à Hochelaga Maisonneuve. C'est la prochaine. Donc, à Ecoséno, ce qu'on fait, c'est qu'on offre différentes gammes de services qui sont inspirés de l'économie circulaire. Donc, on travaille en éco-conception vraiment pour la réduction à la source. En fait, c'est la prévention des déchets. Comment créer en évitant dès le début du processus la création de déchets, parce que c'est reconnu en fait que 80% des décisions qui vont avoir un impact sur la fin de vie sont prises en tout début de processus. Alors, on fait des accompagnements en éco-conception et on forme des professionnels. On forme aussi dans les écoles professionnelles parce que c'est important de commencer au tout début pour réduire les matières résiduelles. Et donc, jusqu'à maintenant, on a déjà réussi à former 126 personnes. Au niveau du pôle réemploi, donc, on fait des collectes éco-responsables, c'est-à-dire qu'on est une alternative aux conteneurs. Plutôt que d'envoyer des matériaux encore sains dans des conteneurs qui vont finir à l'enfouissement, nous, on offre un service où on va collecter donc, et on sélectionne tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi qu'on amène à notre entrepôt à Hochelaga Maisonneuve. Et donc, on a une boutique en ligne qui va favoriser la circulation de ces matériaux-là. On passe à la prochaine. Voilà. Donc, on est lauréat du Conseil régional de l'environnement, entre autres, parce que l'an dernier, on a réussi à faire en sorte que 158 tonnes de matériaux soient réutilisées. Donc, ils sont non seulement déviés de l'enfouissement, mais ce qu'on compte, en fait, c'est ceux qui sont réellement réutilisés, qui sont réellement remis en circulation. Donc, on voit là qu'il y a un potentiel très, très fort. 158 tonnes, en fait, c'est l'équivalent d'environ 40 conteneurs. Puis, si on veut encore mieux visualiser les conteneurs, puis le potentiel que ça a, on peut se dire que c'est 40 wagons de marchandises pleins de matériaux à utiliser, dans le fond, qu'on a évité, pour lesquels on a évité qu'ils finissent à l'enfouissement, puis qu'on a plutôt remis en circulation. Donc, pour nous, c'est évident que ces matières résiduelles ne sont pas des déchets, mais sont vraiment beaucoup plus des ressources. On peut passer à la prochaine. Voilà, donc comment on fait ça? Pratiquement, notre entrepôt est aussi une boutique que vous pouvez visiter, sur appel seulement, surtout en pleine pandémie. Et on a aussi une boutique en ligne, donc, qui facilite l'approvisionnement en réemploi. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment un engouement pour le réemploi. D'ailleurs, on a plus de 18 000 visites sur notre boutique en ligne, plusieurs transactions. Donc, il y a vraiment un engouement, mais c'est difficile en ce moment encore de trouver des matériaux de réemploi. Donc, on le fait via notre boutique en ligne. On a aussi un service de livraison qui permet aussi aux gens de s'approvisionner. C'est des matériaux qui sont issus du domaine culturel uniquement, mais qui sont disponibles pour tous. Prochaine slide. Voilà. Et je voulais aussi souligner que Ecoséno rayonne et inspire tout autour de lui. On participe, entre autres, au développement de l'économie circulaire dans le domaine parisien, en participant à plusieurs conférences qui ont lieu en ce moment. Et aussi, on est très, très fiers parce que très bientôt, en fait, ça va être annoncé officiellement vendredi, il va y avoir le lancement de la remise culturelle de la Ville de Québec. Donc, un organisme très semblable à Ecoséno qui se développe. Donc, pour moi, c'est important de le nommer aujourd'hui parce que c'est des modèles qui sont inspirants puis qui font des petits, puis c'est quelque chose dont on est très fiers. Et voilà. Et donc, ce qu'on veut faire chez Ecoséno, c'est vraiment transformer les règles de l'art pour réduire les matières résiduelles. Et je voulais aussi mentionner en terminant qu'on a été sélectionnés comme finalistes pour les indispensables. C'est des prix qui ont été créés par le Conseil des arts de Montréal cette année, dans cette année pandémique, pour souligner les initiatives qui transforment complètement les façons de faire.
Et voilà. Et tout ça après 18 mois d'existence, donc 14 en pandémie. Alors, on est vraiment, vraiment content de cette reconnaissance du Conseil régional de l'environnement. Merci. Bravo pour pour Écosséno et pour toutes les autres, mais c'est impressionnant comment ça peut faire des petits, ces initiatives-là, puis tant mieux si ça peut rayonner encore plus loin que Montréal. Sur ça, on passe justement à une grande entreprise, TC Transcontinental, avec la création du groupe Recyclage TC Transcontinental, avec Charles David. Merci Caroline, bonjour tout le monde. Donc rapidement, TC Transcontinental, comme tu l'as dit, Caroline, est une très grande entreprise, donc de près de 3 milliards de revenus, dont le siège social est à Montréal, donc une compagnie familiale du Québec. Donc TC est le plus important imprimeur au Canada, donc tout ce qui est circulaire, journaux, magazines, livres, probablement a passé par l'une de nos usines au Canada. On est aussi depuis quelques années un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On est aussi le plus grand groupe d'édition pédagogique en langue française, donc des livres surtout au secondaire et au cégep. Donc 8000 employés partout, Canada, États-Unis, Amérique latine surtout, quand même plus du quart au Québec, avec 40 usines de production qui sont réparties un peu partout. Donc le projet prochain slide, s'il te plaît. Donc, évidemment, une entreprise comme nous qui travaille dans le papier et le plastique, bien, on a une responsabilité aussi en tant que compagnie citoyenne responsable. Et quand on a commencé à s'engager dans l'emballage plastique, bien, on a pris trois grands engagements. Trois engagements qui doivent arriver en parallèle. Donc, vous allez comprendre. Donc, premièrement, c'est qu'innover que tous les emballages plastiques qu'on fait soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2025. C'est des engagements de la fondation Ellen MacArthur, que certains d'entre vous connaissaient peut-être, qui est une fondation mondiale qui regroupe plus de 500 grandes entreprises là, qui sont données le but de créer une économie plus circulaire pour les plastiques, donc mieux les gérer en fin de vie. Donc oui, il faut que nos emballages soient recyclables en théorie, mais il faut aussi qu'ils soient recyclés en pratique. Donc ça, c'est le deuxième pilier, donc collaborer. Dans le fond, avec d'autres membres de l'industrie pour augmenter autant le taux de récupération et de collecte, mais aussi de recyclage, réutilisation et de compostage des plastiques dans les communautés où nous sommes. Notamment, je vais mentionner qu'on est un des membres fondateurs du groupe d'action plastique circulaire, le GAPC. Donc, je vous invite à aller voir le GAPC.ca, un des gros projets mondiaux, je dirais, là, qui est ici au Québec sur la gestion des plastiques en vision plus circulaire. Et finalement, ce qu'on veut parler aujourd'hui, bien, c'est que on sait que pour que le recyclage fonctionne, bien, il faut des marchés locaux, il faut des gens qui sont là pour acheter ce qui sort des centres de tri. Donc, nous, on a pris l'engagement qu'il y ait 10 % de contenu recyclé dans nos produits d'ici 2025. 10 % peut sembler petit. À l'échelle de TC, 10 % c'est 17 000 tonnes de plastique annuellement, donc c'est quand même assez majeur. Et aussi, bien, sachant qu'on a énormément de nos emballages qui sont des emballages alimentaires. Donc, malheureusement, actuellement, l'utilisation de contenu recyclé dans l'alimentaire, surtout au niveau du plastique souple et du polyéthylène, est très difficile. Donc, ce 10 %-là est ambitieux, même si ça peut sembler plus petit. Prochaine slide, Caroline, s'il te plaît. Donc, dans le fond, ce qu'on a entamé comme démarche, c'est qu'on s'est dit, on veut atteindre ce 10 %-là. On a fait une étude de marché, puis on s'est rendu compte que ce 17 000 tonnes de plastique-là annuel en Amérique du Nord, n'existe même pas sur le marché. Donc, il n'y a personne pas assez de compagnies qui sont capables de mettre en qualité et en quantité des résines recyclées post-consommation qui fonctionneraient pour nos produits. Donc, on a pris plutôt la décision qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, nous-mêmes, on allait devenir un recycleur de plastique. Et donc, là, vous voyez un petit peu le processus, mais actuellement, donc, on prend de la résine vierge, ça passe au sein de nos équipes manufacturières. On fait des produits qui sont récupérés ou recyclés, on l'espère, mais c'est un peu où ça arrête. Et c'est là où la partie en vert, notre groupe recyclage, va prendre des plastiques qui proviennent des centres de tri, mais aussi de sources commerciales, industrielles et agricoles, pour les transformer, les laver, les ramener en résine, pour par la suite faire des résines recyclées de qualité qui vont revenir dans nos usines.
et remplacer une portion de la résine vierge. Donc, c'est ce qu'on a pris comme engagement en février 2020 de créer le groupe recyclage. Prochaine slide, Caroline, s'il te plaît. Ce qu'on a fait, c'est qu'en juin 2020, on a fait l'acquisition d'une usine à Anjou, ici à Montréal, donc dans notre cour de notre CHSL. Donc, on est très content de commencer ça ici à Montréal. L'usine s'appelait Enviroplast, que certains connaissent peut-être, qui malheureusement a fait faillite en 2020. Et donc, nous, on a repris l'usine et on l'a reparti là, dans le courant de l'année dernière. Vous voyez un peu sur en haut à gauche l'avant et le après. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un gros travail qui doit être fait là, pour nettoyer, trier certains des plastiques qu'on reçoit pour les ramener en résine qui peuvent être réutilisés par la suite. Donc, on a commencé ces opérations-là en juin 2020. Oui, tu peux y aller à la prochaine, merci. Donc, on a fait cette acquisition-là en juin 2020. Donc, depuis, on a évidemment rebâti l'équipe. On a reparti les opérations dans des contextes un peu difficiles de la pandémie. Depuis, bien, en 2021, on a fait l'acquisition d'équipements de surtri. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les plastiques qui arrivent, notamment des centres de tri ou d'ailleurs, sont très contaminés. Et donc, on doit faire, nous, le rôle d'être une deuxième étape de tri pour être capable de mettre ça dans nos machines et obtenir la qualité qu'on a besoin. Et bien, on va continuer à investir ici à Montréal en 2022. Donc, comme je disais, notre objectif, notre Saint Graal, c'est de réussir à faire une résine qui peut être utilisée dans l'alimentaire, donc dans les emballages qui touchent les aliments. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de l'année prochaine, de réussir à être les premiers à mettre cette résine-là sur le marché. Et aussi, bien, ici à Montréal, d'investir pour que les déchets qu'on collecte ici à Montréal puissent vraiment avoir tout le cycle au complet à Montréal. Donc, des plastiques usés ici qui vont être récupérés ici, recyclés ici et par la suite remis en pellicule de plastique ici à Montréal. Donc, on a une nouvelle usine à Pointe-aux-Trembles. Donc, on va vraiment continuer à investir là-bas pour vraiment s'assurer que tout soit fait ici. Et ensuite, on l'espère exporter des produits aux États-Unis qui sont faits avec des déchets ici du Québec. Donc, un projet d'ampleur, mais on est très heureux d'avoir été lauréat avec vous au CRE Montréal. Merci, désolé, il me semblait qu'il y en avait une dernière. Une dernière diapositive. Mais non, c'est super intéressant. Puis j'espère qu'il va y avoir plein de questions parce que moi, j'en ai plein. Fait que si le public veut jouer avec moi. Passons à notre dernier lauréat, Tricycle, ferme avec la réalisation de la ferme modèle d'élevage d'insectes comestibles en économie circulaire, qui est aussi notre boursier communauto. Les bourses communauto ont été distribuées à deux lauréats par l'organisation communauto, justement, qui était un petit plus pour deux organismes à but non lucratif ou petites entreprises en démarrage qui avaient besoin de ce petit coup de pouce-là. Puis, Tricycle, c'est Louise Hénault-Étier qui va prendre la suite. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour la distinction du CRE Montréal et le prix communauté. C'est certain que ça change quelque chose du soutien financier quand on est une entreprise en démarrage. En fait, Tricycle, on a démarré nos activités en janvier 2019. Tu peux aller à la prochaine diapositive. Nos activités, c'est des élevages d'insectes en contexte urbain. On a une ferme qui est située tout près du marché central à Montréal. On est dans un quartier industriel, donc je m'excuse d'avance s'il y a des gros bruits de camions qui klaxonnent autour de moi. On est vraiment dans un contexte industriel, mais d'agriculture urbaine. On est quatre membres cofondateurs toujours actifs chez Tricycle. Il y a Alexis Fortin qui est notre président, Guillaume de la Rochelle Renault qui est responsable des communications du marketing et Étienne Normandin qui est un entomologiste qui est là pour toutes les questions des insectes. Moi, ma spécialisation, c'est la recherche et le développement. Tu peux passer à la prochaine, Caroline? Donc, tout le monde est familier avec la problématique de l'empreinte environnementale de notre consommation de viande. On sait qu'on mériterait, en fait, pour être capable de nourrir tout le monde sur la planète, de se tourner par des protéines qui ont un impact environnemental moins fort que d'autres. Et moi, je suis ici à vous présenter, en fait, qu'on n'est pas nécessairement obligé de tous se tourner vers les protéines végétales, qu'il y a même mieux à faire en termes de protéines pour diminuer notre impact environnemental.
grâce aux insectes. Donc, on peut aller à la suivante. Au Canada, on a beaucoup d'aliments qui sont gaspillés. Et là, tout le monde ne s'entend pas exactement sur les chiffres, sur la méthodologie. C'est sûr qu'une pelure de banane, on n'est pas très intéressé à la consommer. Donc, est-ce que c'est réellement du gaspillage alimentaire? Mais si on pense à nourrir des insectes, il y a une partie de ce qu'on pourrait exclure du gaspillage alimentaire parce que c'est seulement des pleurs ou des parties inintéressantes pour la consommation qui, eux, les insectes, sont capables de les recycler. Donc, ça nous fait quand même des sommes astronomiques. Tu peux aller à la suivante. Et typiquement, nous, ce qu'on va faire au Canada, c'est qu'on va mettre tous nos déchets dans un gros camion et la plus lourde fraction de ce camion-là, ce sont les matières organiques. C'est des matières qui sont, à part le gaspillage alimentaire, un peu incompressibles parce qu'on est des animaux, on mange des plantes ou d'autres animaux. Donc, les matières organiques sont riches en eau, elles sont là pour rester. Il faut trouver des meilleures façons de les gérer. Suivante. Et parmi les façons dont on les gère en ce moment, c'est surtout par enfouissement qui est très problématique parce que quand on enfouit les matières organiques sous terre, elles vont émettre du méthane qui est un gaz à effet de serre très puissant. Il y a beaucoup d'efforts gouvernementaux qui sont dédiés à plutôt favoriser le compostage dans lequel on va au moins recycler les nutriments pour aller nourrir le sol, les plantes. Mais moi, j'argumente maintenant qu'on ne devrait pas envoyer tous les types de résidus au compostage parce que c'est un peu un gaspillage et qu'on devrait peut-être envisager sauver la planète à boucher d'insectes. Je vous explique mon concept dans la diapositive suivante. En fait, dans la nature, il n'y a pas de gaspillage qui se fait. Il y a des boucles d'économie circulaire qui se font dans les écosystèmes et je crois que nos villes devraient fonctionner un peu plus à cette image-là. On ne devrait pas voir la production agricole comme étant à l'extérieur de la ville. On importe des aliments en ville, on exporte des déchets. On devrait boucler cette boucle-là et donner une deuxième, voire une troisième vie à nos aliments. Suivant. Donc, un concept d'économie circulaire à l'aide d'insectes, à quoi ça ressemble? Bien, il y a des résidus qui sont propres, traçables, de bonne qualité, qui peuvent être des aliments pour certains insectes. Évidemment, les insectes se spécialisent chacun dans leurs préférences alimentaires. Les ténébrions meuniers, avec lesquels on se spécialise chez Tricic, vont manger des résidus de boulangerie, comme la boulangerie Jarry à Montréal, des résidus de la production des jus de fruits et légumes de loup, par exemple, qui est un de nos partenaires, des résidus de production de microbrasserie aussi, avec les levures qui viennent avec, au lieu que ça aille engorger les réseaux d'égouts de nutriments. Et ces insectes-là, bien, on peut les manger directement, les manger sous forme de produits transformés ou encore les donner à nos animaux de compagnie ou même notre bétail. Donc, il y a moyen même de diversifier notre alimentation sans avoir à nous-mêmes consommer les insectes, mais réduire l'empreinte environnementale du bétail qui est élevé pour la consommation humaine ou encore l'alimentation de nos animaux de compagnie. Et dans ce contexte-là, il va toujours rester une place aux matières qui sont potentiellement contaminées, qui vont aller plutôt vers le compostage ou la biométhanisation. Mais je crois qu'on peut écrémer beaucoup de matières, un gros volume de matières, en se tournant vers les entotechnologies, donc les technologies qui misent sur les insectes. Suivant. Alors, chez Tricic, nous, on produit du ténébrion meunier, sympathique petit insecte dont vous voyez la larve ici. À la diapositive suivante, vous allez voir les produits qui sortent de notre ferme sont des ténébrions entiers séchés ou encore sous forme de poudre qu'on peut intégrer dans des délicieuses recettes là, de pain, de biscuits et autres. Il y a moyen de les cacher si vous ne voulez pas les voir. Et Tricic, on a un sous-produit à la ferme aussi, c'est le fumier de nos insectes qu'on va aussi mettre en marché sous forme d'engrais solide. C'est un fertilisant super intéressant. Dans des essais qu'on a fait sur le toit de la centrale agricole l'été dernier, on a eu jusqu'à 16 fois plus de biomasse produite en ajoutant à peine 0,5% par volume de frass dans un terreau déjà amendé au compost. C'est donc dire que le compost, c'est bon, il enrichit le sol, mais quelques grains de poudre de perlimpinpin, de fumier d'insectes par-dessus, c'est vraiment gagnant. Donc, on vous encourage à nous encourager en adoptant nos produits dans vos jardins cet été. Et voilà, c'était grosso modo ce qu'on fait chez Tricic. C'est certain qu'on est une start-up, oui, on fait la commercialisation de nos produits, mais on essaie de travailler beaucoup en partenariat avec d'autres éleveurs d'insectes partout au Québec. C'est un secteur qui est en essor et on fait énormément de recherche et développement et de diffusion. D'ailleurs, dans notre candidature pour le prix du Prêt Montréal, on avait vanté notre vitrine entotechnologique dans laquelle on a accueilli 600 participants en 2020, malgré la pandémie, pour les former aux rudiments de l'économie circulaire à l'aide des insectes. Donc, voilà, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Je vais me mettre sur
sur le son. Merci énormément, Louise. Super intriguant, inspirant. Les quatre présentations qu'on vient d'avoir sont fascinantes et on comprend pourquoi ils sont maintenant lauréats de 2021 du Gala du Creux Montréal. Allons pousser un petit peu plus la curiosité puis vous entendre sur l'évolution de vos organisations. Quels ont été les plus grands enjeux de l'évolution et comment avez-vous réussi à les surmonter? Vous avez quatre organisations très différentes, mais je pense que ça va être super intéressant de vous entendre. Est-ce qu'on commence? On va aller en ordre alphabétique encore, puis après on va s'amuser. Monsieur Ekila, Yves. Oui, nous, comme je le disais dans la présentation qui était très rapide, parce que j'avais compris qu'il y avait seulement 4 minutes. Nous, on a dû nous adapter depuis le début hein, en termes d'outils de communication qu'il a fallu refaire. Je me rappelle encore la première semaine, il a fallu qu'on aille produire des autocollants, qu'on a été mettre sur les bacs semi-enfouis pour bien expliquer aux gens. Cela, c'est seulement pour les bacs semi-enfouis, c'est juste pour tel type de matière, parce qu'on avait déjà vu des gens venir déposer des meubles autour. Il a fallu à nouveau aussi aller envoyer encore une fois les patrouilleurs de l'écoquartier, refaire la sensibilisation à travers nos différentes plateformes. Donc, on est encore en mode adaptation, ajustement aussi. Comme je le disais, comme je le mentionnais, des fois, il arrive des situations qu'on n'a pas du tout calculées. Nous, on avait fait, en fait, le dimensionnement des capacités des bacs semi-enfouis. Ça a été fait en fonction du nombre de portes par rue. Donc, un bac en contenant semi-enfoui pour ordures ménagères, par exemple, c'est du 5 000 litres. Donc, on en a deux pour la rue, donc 10 000 litres. C'est la même chose pour les matières recyclables. Et on fait 2 levées par semaine. Donc, techniquement, avec les calculs qui ont été faits, ça ne devrait pas déborder. Mais malheureusement, encore une fois, il arrive des situations où certains citoyens, des fois, ne comprennent pas des fois les enjeux qu'il y a autour, qu'il ne faut pas déposer aux alentours. Mais on s'ajuste. Et des fois aussi, nous, nos équipes des cols bleus aussi sont disponibles aussi pour des fois à réagir en fin de semaine. Parce que, comme vous le savez, peut-être pas les contrats de collecte pour nous en semaine, c'est de lundi à jeudi pour les ordures. Donc, vendredi, on n'en a pas. Et du coup, certaines fins de semaine, il peut arriver qu'on se retrouve avec des dépôts sauvages. À ce moment-là, c'est vraiment les cols bleus qui prennent le relais. Et à force de bien réexpliquer aux citoyens, ça commence à prendre, l'information commence à descendre. Mais on demande beaucoup de patience. On est vraiment conscient, c'est une nouvelle façon de faire parce que vous savez, les gens avaient l'habitude de sortir leur matière à certaines dates, en bordure de rue. Mais là, ils ne le font plus. C'est plutôt tous les bacs. C'est dans les bacs semi-enfouis qu'il faut le faire. Donc, regardez, c'est vraiment encore beaucoup d'adaptation et d'ajustement à faire. Donc, on avait ce volet-là aussi. Et aussi, nous, pour aller de l'avant dans la phase 2 du projet, l'arrondissement a décidé encore une fois de donner une deuxième contribution financière pour aller faire là l'embauche de référents propreté. Les référents propreté, c'est vraiment des organismes. C'est un citoyen membre d'un organisme du milieu qui est bien impliqué dans le secteur. C'est quelqu'un qui connaît le secteur, qui connaît ses voisins, donc qui leur explique les bons gestes à poser. Donc, on est vraiment là en termes, dans une certaine vigie régulière. On est vraiment dans une phase d'accompagnement, d'ajustement aussi. Et sachant qu'on souhaite vraiment que ce soit un meilleur outil pour eux aussi, parce qu'ils vivent là, ils vivent dans ce milieu-là. Il ne faut pas non plus que la bonne idée devienne une mauvaise idée par la suite. Donc, on travaille encore très, très fort là-dessus. Ah, ben c'est intéressant. Est-ce que, là, je vais juste pousser 2 petites secondes. Est-ce que, justement, le multiculturalisme de Montréal-Nord avec les langues multiples et tout ont été un enjeu ou sont encore un enjeu dans votre cas? Est-ce que vous avez traduit les étiquettes ou en plusieurs langues ou ça se fait quand même assez facilement? Ben, très rapidement, on avait déjà identifié ce point, effectivement, au début. L'option qu'on a été retenir, c'était vraiment plutôt d'aller plus vers des dépliants, des outils avec plus de pictogrammes, plus une démarche visuelle, éliminer le moins de textes possible. Et surtout aussi, nous, on préfère vraiment donner l'approche porte à porte, discussion avec la personne. En contexte de pandémie, on l'a fait aussi en gardant bien sûr les distances. C'est plus l'approche qu'on privilégie. C'est d'ailleurs l'approche qu'on encourage ceux qui souhaitent s'engager dans ce type de démarche-là de faire.
parce que vous savez, il a fallu vraiment tenir compte aussi des horaires de travail de certaines personnes. C'est un travail de nuit, donc il fallait s'ajuster aussi. Parce que des fois, pour nous, il était hors de question d'aller apposer une affiche et puis c'est terminé. Non, vous voulez vraiment plus faire l'approche communication porte à porte. Et aussi, ce qui est parfait aussi dans la démarche, qui est plutôt globale, dans le cadre de ce projet-là aussi, on a ouvert un deuxième point de service de l'éco-quartier dans le secteur nord-est. Donc, okay. Dans ce point de service-là, les gens ont la possibilité d'aller prendre l'information. On a aussi des ateliers qui sont aussi tenus là autour des réseaux alimentaires. Comment composter, comment recycler. Donc, c'est vraiment plus une démarche vraiment globale. OK, génial. Merci. On passe à Anne-Catherine avec Éco-Séno. Vos enjeux? Oui, bien, en fait, nos enjeux, je dirais que notre enjeu principal, c'est le fait qu'on est... On a une très belle surprise de voir qu'il y a une très grande demande pour nos services. Donc, je dirais que c'est notre plus gros enjeu, c'est de gérer la croissance afin de pouvoir répondre le plus rapidement possible à la demande. Donc, notre façon de les surmonter ou de les aborder, ça a été de développer de façon assez, assez active, je dirais, et assez rapide nos services pour pouvoir faire face à cette demande-là. On est de se garder au diapason aussi des vrais besoins, d'être toujours en relation, en discussion avec les différents acteurs du milieu qui sont nos clients et aussi ben, d'augmenter notre nombre d'employés le plus rapidement possible pour ce qui a été aussi vraiment une belle nouvelle au moment où les activités du milieu culturel se sont arrêtées pendant plusieurs mois. Donc, nous, on a pu fournir du travail à plusieurs personnes qui seraient restées autrement sans emploi. Donc, ça a été plein de surprises, mais le plus grand challenge, c'est définitivement d'essayer de répondre à la demande qui est très, très forte, tout en transformant le système voilà, c'est une transformation quand même majeure de notre façon de fonctionner. Des beaux enjeux positifs oui. pour une évolution très rapide, par contre. Charles-David. Ouais, ben, je dirais que pour nous, le gros enjeu a été et restera l'approvisionnement. Donc, c'est de s'assurer qu'on a un approvisionnement qui est stable, autant en quantité qu'en qualité. Donc, on essaie d'aller chercher des plastiques qui n'étaient pas nécessairement valorisés. Déjà par le passé, donc évidemment qui comporte des défis de contamination notamment ou d'accès. Donc comment le surmonter? Bien, c'est d'utiliser la force de notre réseau. Donc c'est là où on est l'avantage d'être une plus grande entreprise. Donc on a été sur plusieurs tables de concertation, par exemple sur la table des concertations sur les plastiques agricoles du ministère de l'Environnement. On a aussi fait plusieurs conférences comme ça ici où on a levé la main, on a dit aux gens, si vous avez des plastiques souples que vous générez dans vos opérations, parlez-nous. Ça nous a permis de créer comme un réseau au Québec d'approvisionnement, que ce soit en commercial, industriel. Et bien, au niveau des centres de tri, qui est un enjeu évidemment assez difficile présentement, mais on en a visité, juste avant la pandémie, on en a visité 8 ou 9 au Québec. Donc, on a quand même fait le tour du Québec là-dessus pour comprendre leur réalité, voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de produire, pourquoi certains produisaient de la qualité mieux que d'autres, c'était quoi les bonnes pratiques, essayer d'avoir ces discussions-là avec eux. Donc, je pense que c'est de parler le plus possible du projet puis d'avoir le plus de gens qui sont au courant puis qui sont prêts à embarquer avec nous puis de créer cette collaboration-là. Donc, je pense que ça va être notre meilleure optique. Et je dirais, un des enjeux du recyclage aussi, c'est d'avoir des ententes à long terme. Donc, une des raisons pourquoi le recyclage a malheureusement beaucoup de difficultés, c'est souvent que les gens dépendent de l'exportation, entre autres, parce qu'il y a à certains moments donnés, des pays autres qui peuvent offrir des meilleurs prix, par exemple, pour certaines des matières. Mais c'est très volatile comme marché. Et donc, malheureusement, quand ces marchés-là arrêtent de fonctionner, bien, on est pris avec les matières ici, mais pas nécessairement de gens pour les prendre. Donc, nous, ce qu'on essaie de viser maintenant, c'est d'avoir des ententes un petit peu plus à long terme, plus stables, qui permettent de s'assurer que bien, il va y avoir des acheteurs ici, locaux, tout le temps pour ces matières-là et peut-être justement assurer que ça soit géré ici et non à l'extérieur. Très intéressant. Et on finit avec Louise pour les enjeux, l'évolution et comment les avez-vous surmontés? Merci beaucoup.
Bien évidemment, quand on est un éleveur, la première chose à faire, ça va être de se bâtir un cheptel. Et chez les insectes, c'est pas exactement comme dans la volaille ou dans le porc. Il n'y a pas nécessairement des fournisseurs d'insectes disponibles là, qui ont une génétique intéressante. En fait, les entreprises qui développent leur propre génétique vont avoir tendance à vouloir la garder. Donc, les premières étapes, ça a été de développer un cheptel à partir de quelques bacs, grandir ça. Ça nous a pris à peu près un an à avoir suffisamment d'insectes pour pouvoir commencer à en faire la récolte. Parce qu'auparavant, évidemment, on envoyait tous les adultes à faire la reproduction. Donc, on ne peut pas récolter les larves pour des produits. Ensuite, il y a plusieurs obstacles, évidemment, qu'on a rencontrés. Vous savez, l'acceptabilité des insectes est encore à bâtir. Quoique, on a plusieurs sondages, on a comparé les populations européennes, les populations américaines avec les Québécois, et on semble très réceptif et ouvert. Un coup que les gens ont goûté à des insectes, ils ont tendance à répéter l'expérience. Donc, on a beaucoup de sensibilisation à faire. C'est pour ça qu'on fait, évidemment, de la sensibilisation à travers des conférences comme aujourd'hui, à travers les médias, parce qu'en même temps, pour nous, c'est une façon de développer, si on veut, le marché, même si c'est très lointain comme intervention. Mais on aime beaucoup le principe de l'éducation. Ensuite, on a tout à bâtir un segment, les éleveurs d'insectes, devenir une filière, une table filière reconnue par le MATAC. Ça a été une des premières étapes pour qu'on ait le même statut que les producteurs de pommes et les producteurs de volailles. Donc, on est rendu là quand même au Québec en 2021. On a maintenant une table filière auprès du MATAC. Mais il nous reste toutes sortes de formes d'embûches liées à, entre autres, à la réglementation. L'Agence canadienne d'inspection des aliments vient maintenant d'amorcer la mise en application d'une nouvelle loi en canadienne sur les engrais. Et les phases de consultation de cette loi-là se sont faites avant que les producteurs d'insectes soient fédérés, avant que nos recherches soient assez avancées. Et là, maintenant, on arrive avec un changement majeur dans la loi qui dit que du fumier, alors qu'avant, un fumier, c'était produit par un animal, ben maintenant, du fumier, c'est produit que par des oiseaux et des mammifères. Donc, ça a l'air que les insectes, maintenant, ne peuvent plus produire de fumier, ce qui fait en sorte qu'on aurait 3 ans là, pour s'adapter à la nouvelle réglementation et maintenant procéder, contrairement à tous les autres fumiers qui peuvent simplement être vendus parce que tout le monde utilise des fumiers en agriculture depuis que le monde est monde, ben maintenant, il faut homologuer notre fumier d'insectes et ne pas l'appeler fumier parce que ce n'est ni un oiseau ni un mammifère. Et les phases d'homologation, ça ressemble à peu près à enregistrer un pesticide. Là, c'est aussi laborieux et intensif en termes d'exigences analytiques de laboratoire, de démonstration, d'innocuité et tout. Donc, on voit qu'on a des obstacles réglementaires et politiques majeurs, ce qui nous force aussi à faire de la sensibilisation et une veille réglementaire parce qu'un nouveau secteur qui se structure, ben voilà, ça fait face à toutes sortes d'embûches réglementaires que personne n'avait vu venir avant. Je suis certaine qu'il n'y a personne à l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou à Santé Canada qui ont proposé des modifications réglementaires pour exclure le fumier d'insectes. Ils ne savaient juste pas que ça existait quand ils ont fait la refonte réglementaire. Donc, voilà le genre d'obstacles auxquels on fait face dans notre quotidien. Vraiment étrange. Parce que, bon, connaissant qu'il y a des fumiers de mollusques et d'autres, est-ce qu'il y a un lobby pour le fumier animal et aviaire? Ils sont malmenés. Malheureusement, le lombricompost, compost, le vermicompost avec des vers de terre existe depuis fort longtemps et est mis en marché. Donc, je pense que malheureusement, les vertébrés manquent de lobby, de groupe d'intérêt pour défendre leurs propres intérêts. Il y aura peut-être un jour un lobby du vermicompost, du verre en général. Oui, bon, vraiment intéressant. Merci. Prochaine question. Justement, dans les surprises, quelle a été la plus belle surprise que vous avez eue dans les dernières, dans votre création? Puis là, ben, c'est le fun parce qu'on parle à 4 organisations, que leurs réalisations sont très récentes. On parle de 2 ans, de 18 mois, vos apprentissages en moins de 2 ans. Et les plus belles surprises qui ont fait évoluer, justement, on a fait les enjeux, mais là, je pense qu'on veut, les surprises, les beaux moments. Allons-y avec Charles. Charles David, Donc, dans le fond, je te dirais le plus bel apprentissage, la plus belle surprise pour nous, c'est justement, comme je parlais tantôt, on a fait un genre d'appel à tous, mais c'est la capacité rapide.
auquel toute la chaîne de valeur du recyclage a réussi à se parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, justement, qu'il y a peut-être un manque de communication à travers la chaîne. Mais quand on a, je parlais du projet du GAPC, du groupe d'action plastique circulaire, la réaction du parapublic, du public, du privé, de réussir à asseoir tous ces gens-là autour de la table pour regarder. Je vais utiliser un mot qui est un peu sensible présentement, mais le mot systémique, mais je pense que les enjeux sont systémiques dans la gestion des matières résiduelles. Puis de voir que tout le monde travaille dans le même sens, je pense que pour moi, c'est peut-être la plus belle surprise et le plus bel apprentissage. Ça a fait bouger les choses très rapidement. Ça a mis en place des projets d'importance qui sont structurants aussi pour la gestion des matières résiduelles au Québec. Donc, je pense que ma plus belle surprise, je pense, c'est pas nécessairement une surprise, mais je pense que c'est l'importance d'avoir tous ces acteurs-là à la table en même temps, que ce soit du recycleur, du conditionneur, du générateur de produits de matières résiduelles, des marchés finaux, et autour de ça, des villes, des provinces et du pays. Donc, c'est quand même beaucoup de niveaux. Mais je pense que quand tout le monde est assis autour de la table, on se rend compte qu'il y a peut-être des gains un peu plus faciles qu'on imagine, qu'on n'aurait pas compris si on avait eu la chance de se parler comme ça. Donc, de créer ces tribunes-là, puis à quel point elles sont positives, ces tribunes-là, je pense que c'est notre plus bel apprentissage. On va définitivement continuer à pousser pour qu'il y en ait de plus en plus. Tant mieux. Bel ambassadeur, en tout cas. Anne-Catherine. Oui, bien en fait, c'est drôle parce que ça rejoint ce que Charles-David vient de dire. Moi, ma plus belle surprise, c'est l'accueil en fait de tous les acteurs déjà établis. J'ai nommé le Conseil québécois des événements éco-responsables, par exemple, qui nous ont accueillis à bras ouverts. En fait, c'est que les gens qui travaillent au changement en ce moment, ben tout le monde est conscient qu'on a besoin d'épaules à la roue, on a besoin de travailler ensemble. Donc, ça a été vraiment les réseaux qui sont créés très rapidement, un sentiment beaucoup de collaboration, beaucoup plus que de compétition. Donc, ça a été vraiment dans les plus belles surprises au départ. Puis, dans les grands apprentissages, en fait, je dois dire que ce projet-là, Écoséno, a été fondé par quatre cofondatrices au départ. Puis, vraiment, ce qui a fait en sorte qu'on a mis ça en place, c'est qu'on sentait que nos valeurs environnementales ne trouvaient pas d'écho dans notre vie professionnelle. Puis on avait un gros malaise face à ça. Puis, mon plus grand apprentissage, en fait, c'est que ça vaut vraiment la peine de faire le move quand on sent ça pour se rapprocher de quelque chose qui est plus cohérent, puis mettre en place des solutions parce que l'apprentissage, moi que j'ai, c'est que ça vaut la peine de se lancer puis ça vaut la peine de le faire parce que quand nous, on sent très, très fort qu'il faut bouger, bien, on n'est pas les seuls puis il y a tout un réseau qui se met en branle. Donc, voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Ah, c'est bien. Louise, pour continuer. Bien, définitivement, de notre côté, c'est le contact humain. Quand on parle d'économie circulaire, on ne parle pas d'une simple relation fournisseur-client. On parle de bâtir des relations à long terme. Et puis, les gens avec qui on a travaillé, ça fait 5 ans qu'on fait de la recherche et développement, mais c'est seulement 2 ans que l'entreprise a démarré. Donc, les gens avec qui on a fait la R&D au début, on a développé et bâti des relations avec eux parce que, en fait, c'est très spécialisé quand on essaie de valoriser un type de matière résiduelle organique, en particulier avec un type d'insecte, il faut arriver à développer quelque chose de très pointu. Et ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement de redondance dans le système. Ça veut aussi dire que si le partenariat s'effrite ou l'approvisionnement change, on perd beaucoup de développement. Donc, nous, ce qu'on a aimé dans toutes les phases de développement, c'est vraiment le développement de relations humaines, de partenariats durable avec l'ensemble de nos partenaires. J'ai mentionné tout à l'heure là, la boulangerie Jarry, les brasseries Aricana, Eto, les trois brasseurs, l'île de Garde, il y a aussi les Juloupes. Et on a travaillé avec Blanc de Gris aussi dans le passé. Donc, on a vraiment à remercier là, comme des dizaines, voire des centaines de personnes. Et je pense que c'est vers là qu'on s'en va si on fait de l'économie circulaire, c'est le développement des relations à long terme parce que chacun des partenaires s'investit dans la relation. Donc, c'est une nouvelle façon de voir le monde des affaires qui humanise peut-être même un peu plus le monde des affaires par rapport aux visions typiquement mercantiles là, qu'on pourrait associer au milieu des affaires.
L'humain est toujours impressionnant. Bien, oui. Les partenariats, et, ben, tant mieux. Yves? Oui, ben, nous, on a eu vraiment deux belles surprises et un seul apprentissage. La première surprise pour nous, ça a été vraiment, vous savez, on avait des gens qui avaient l'habitude quand même de gérer leur matière et gérer d'une certaine manière. C'était en fait, ils sortaient leur sac, leur bac en pied d'immeuble à certaines horaires bien précis. Et là, on va embarquer vers des bacs semi-enfouis qui sont là fixes en milieu de rue. Donc, on ne savait pas trop est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser comme il faut. Est-ce qu'ils vont continuer à maintenir leurs anciennes habitudes? Donc, heureusement, toutes les approches qu'on a faites en amont, ça a porté leurs fruits. Ils ont vraiment utilisé ces bacs semi-enfouis. On va même dire que c'était même l'objet, ça a même été... l'objet vraiment d'une surutilisation quelque part, de un et de deux. La deuxième surprise, ça a été aussi, vous savez, on était en contexte COVID quand le projet a été lancé en 2020, le service de l'environnement étant donc le service qui donc, avait lancé l'appel d'offres pour l'arrondissement Montréal-Nord, parce que le service de l'environnement est le gestionnaire des contrats de collecte. Donc, à un moment donné, on était dans une certaine forme d'incertitude. Est-ce que le projet va aller de l'avant? Parce qu'il y avait quand même des coupures budgétaires qui sont arrivées entre-temps. Donc, heureusement, le service d'environnement et les élus aussi au central ont quand même été assez ouverts et favorables à entendre aussi notre démarche et notre approche, qui était un projet collectif. Donc, on allait vraiment de l'avant. On parlait de quand même des centaines de milliers de dollars dans ce cadre d'appel d'offres-là. Et en termes d'apprentissage, pour nous aussi, c'était vraiment l'approche de collaboration. Tout à l'heure, on parlait de contact humain. C'est vraiment une clé très, très, très indispensable avec, pour ce type de projet-là, de voir les citoyens où on va vraiment les rencontrer à chaque fois, écouter leurs préoccupations et s'ajuster en fonction de leurs besoins aussi et de voir comment tout le monde s'impliquait. C'était vraiment là une bonne clé de succès, gage de réussite dans ce projet-là. Merci. Hey, merci du partage. Des très beaux apprentissages, effectivement. On espère que ça va percoler sur d'autres organisations autour de vous. Et la dernière question dirigée, selon vous, quels sont les grands défis à venir et vos besoins à court terme et moyen terme pour la gestion des matières résiduelles à Montréal? Je veux votre vision. C'est une question beaucoup plus ouverte, mais je pense que vous avez vraiment beaucoup d'intérêt ou en tout cas de connaissances à partager. Puis, Caroline, donc, oui, je viens de... est-ce que vous avez entendu la question ou même pas? Ah, OK, mon Dieu, okay, j'ai double-cliqué. Donc, avec tout ça, moi, je voulais vous entendre sur vraiment... à moyen long terme, vos visions pour l'île de Montréal. Vous avez des connaissances, des expertises vraiment intéressantes qui, je pense, aient une perspective sur les choses. Puis je voulais vous entendre sur comment vous voyez la gestion des matières résiduelles à Montréal dans le futur proche, rapproché ou moins rapproché, selon vos domaines, mais aussi en général. On peut commencer avec Louise. Merci. Bien, c'est certain, pour Montréal, moi, j'avais participé avec la Fondation David Suzuki à toute l'idéation, les phases de consultation derrière la vision zéro déchet à Montréal. Et on avait argumenté à ce moment-là en faveur d'un souci d'une gestion plus locale et précise par rapport aux gisements qui sont disponibles. Et la Ville de Montréal a répondu à l'appel et a d'ailleurs offert du soutien à des initiatives d'agriculture urbaine comme la centrale agricole où Trissé qui est impliquée, désire déployer une vitrine, un banc d'essai sur l'économie circulaire avec le secteur agroalimentaire montréalais. Donc, je crois que l'appel a été entendu de la ville. Je pense que les dirigeants de Montréal, peut-être à la différence de d'autres paliers de gouvernement ailleurs, voient maintenant très bien l'opportunité localement de faire des maillages entre des entreprises du secteur agroalimentaire pour faire une meilleure valorisation des matières résiduelles organiques et éviter à tout prix de tout envoyer au compostage ou à la biométhanisation parce que il s'agit là d'un certain gaspillage, c'est du sous-cyclage du potentiel des
protéines riches qui pourraient rester des protéines dans la chaîne alimentaire humaine, dans la chaîne alimentaire animale. Quoi qu'il va toujours y avoir une place pour le compostage, mais il faut voir le recyclage des matières organiques comme étant d'un second niveau d'importance par rapport à leur réintégration au sein de la chaîne alimentaire. Donc ça, je crois que Montréal est à l'avant-plan dans l'innovation là-dessus, puis je tiens à les féliciter. Merci. Oui, les paliers gouvernementaux, effectivement, il y en a des plus actifs que d'autres. Yves? Oui, ben, pour répondre à la question, moi, j'aurais tendance à vous dire deux choses. La première, vous savez, la Ville de Montréal a mis à jour le plan directeur de gestion des matières résiduelles, donc Montréal zéro déchet, qui là met vraiment l'emphase sur beaucoup d'actions assez intéressantes, parmi lesquelles je pourrais noter l'implantation des projets pilotes de résidus alimentaires pour les 9 logements et plus, pour les ICI, dont les institutions, commerce et industrie, qui étaient exclus de ce type de collecte depuis quelques années. C'est une très, très belle opportunité parce que le fait d'aller chercher ce type de profil varié, ça permettra vraiment d'aller baisser le nombre de quantités de ces matières qui se retrouvent des fois au final dans les lieux d'enfouissement technique, même si des fois on a le compost, on a quand même certaines démarches, mais des fois on a quand même aussi des résidus alimentaires, la matière organique est des fois polluée par d'autres types de matières. Donc ce plan directeur-là qui vient vraiment là nous aider en tant qu'arrondissement, nous on voit déjà les effets dans des approches de sensibilisation, aller chercher des projets pilotes. Nous, on le fait au travers des co-quartiers avec les écoles qui sont très, très impliquées depuis le début avec nous. Et ça, ça permet vraiment de faire une approche globale parce qu'on a quand même toute la dimension sensibilisation des jeunes à l'école et en même temps aussi les divers publics variés, les publics adultes aussi qu'on peut aller mobiliser au travers de nos organismes partenaires. Donc oui, c'est une très, très belle opportunité qui s'offre à nous. Et ce plan directeur, ça rime aussi avec le plan climat aussi, hein, qui est le plan climat de la Ville de Montréal, qui a aussi un bon volet réduction des GES. Comme vous le savez, hein, toutes les différentes flottes de véhicules qui circulent dans les 19 arrondissements pour aller collecter les matières résiduelles, c'est beaucoup, beaucoup de GES qui sont émis. Et donc là, il y aura quand même aussi une belle opportunité pour aller chercher d'autres moyens alternatifs peut-être pour aller gérer ces matières résiduelles-là. Moi, je vois plutôt un avenir plutôt confiant, très, très confiant, parce que nous, en tant qu'arrondissement, on est vraiment très, très aligné avec le BTER, dans le Bureau de la transition écologique et de la résilience, qui porte le plan climat. Et aussi avec le service environnement pour trouver des actions qui pourront avoir des valeurs ajoutées en termes de réduction des GES et aussi d'aller vers le zéro déchet. Bien, merci. Donc, on va souhaiter que la Ville continue ses projets pilotes d'initiatives locales et tout à travers l'île et peut-être même influencer les villes de banlieue. Anne-Catherine. Oui, en fait, ben moi, je souhaiterais qu'il y ait vraiment beaucoup d'emphase qui soit mise dans les prochaines années sur le réemploi, parce qu'on a beaucoup entendu parler de recyclage, puis là, récemment, on a beaucoup entendu parler des limites du recyclage, en fait, de tout ce qui n'a pas vraiment de potentiel à la fin. Et comme disait Louise aussi sur les matières organiques, dans le fond, qui ont encore beaucoup de potentiel avant de finir en biomédanisation, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matières qui peuvent être réemployées avant même de penser au recyclage. Donc, ce serait un focus là-dessus. Puis aussi, de remettre vraiment radicalement en question un système en ce moment qui fonctionne où plus on a de déchets, plus on a de matières résiduelles, plus les compagnies font des profits en gestion de ces matières résiduelles-là. Donc, vraiment, d'aller casser ce système-là et d'avoir des primes à la réduction des matières résiduelles ou à la prévention des matières résiduelles plutôt qu'une augmentation du profit des méga-corporations, dans le fond, qui se nourrit de nos déchets. Et plus on en produit, plus leur système fonctionne. Donc c'est un large programme, mais je pense qu'il faut aller rapidement dans cette direction-là si on veut faire face à la transition écologique et faire face à la crise environnementale. Très bon point, Anne-Catherine. Merci. Et on finit par Charles David pour les inspirations. Oui, ben, je pense que j'ai glissé un mot plus tôt. Là. Je pense qu'il faut ramener le plus possible localement les marchés pour ces matières-là. Donc, je pense que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est... Des fois, on pose la question, est-ce que c'est un problème d'offre ou de demande au niveau du contenu recyclé? Mais le problème, et ni un ni l'autre, c'est que les deux ne sont pas alignés. Donc, il y a énormément
de gens qui ont des engagements de mettre de plus en plus de contenu recyclé dans leurs produits. Et il y a énormément de matières qui sont générées aussi, mais malheureusement, justement, il n'y a pas cette communication-là entre les deux qui fait que ce qui est généré remplit les besoins de ce qui est demandé. Donc, plus il va y avoir cette communication-là, plus ça va être facile de gérer nos trucs ici de nous-mêmes et moins dépendre de l'étranger et des marchés. Donc, c'est certain que moi, je pense que ce qui est le plus important, le plus grand défi, bien, c'est ça, ça va être d'aligner cette offre et cette demande-là ici localement. Puis je pense qu'à Montréal, on est bien placé pour le faire de par justement tous les acteurs qui sont présents sur le milieu puis qui sont prêts à jouer leur rôle. Donc, je suis optimiste de ce côté-là. Puis je pense que ce qui se passe aussi avec la modernisation de la collecte sélective, donc les nouveaux, la responsabilité élargie des producteurs notamment, là, qui s'en vient avec la loi 65 au gouvernement du Québec, va faire que les entreprises vont peut-être prendre un petit peu plus de responsabilité sur les matières qu'ils génèrent et sur leur deuxième vie. Ils vont être appelés à être plus actifs là-dedans. Donc, nous, on applaudit ça. Puis, on est content qu'il y ait plus de gens qui se joignent à nous pour ce défi-là, disons. C'est un beau travail collectif que chacun peut entamer. Je pense qu'il y a des idées qui naissent de partout. Félicitations, franchement, c'est vraiment chouette de voir ce qu'on peut devenir et ce que la ville et la province et le pays pourraient devenir si tout le monde se parlait finalement. Question du public, est-ce que vous êtes prêtes et prêts? On n'a pas beaucoup de questions. On a des questions. Une première question était très spécifique à Éco-Séno. Peut-on devenir bénévole? Ben oui, c'est une très, très bonne question. Puis en fait, c'est super agréable de voir l'engouement des gens. On a beaucoup de gens qui veulent être bénévoles chez nous. En période de pandémie, c'est particulièrement difficile. Donc, pour le moment, la réponse est malheureusement non. Par contre, c'est quelque chose, il y a vraiment une demande à ce niveau-là aussi. Puis on voit un engouement de plusieurs personnes de faire partie du mouvement. Donc, mais je dois répondre que ce n'est pas possible sur le terrain en ce moment, mais beaucoup à cause de la pandémie. Merci. Mais j'étendrai la question aussi, justement, quels sont dans les... que ce soit à l'arrondissement ou la ville de Montréal, que ce soit chez Tricycle ou même chez TC Transcontinental, le besoin en personnel, est-ce qu'il est bien comblé? Est-ce que c'est une question parce que vous tombez dans l'innovation, vous tombez dans une catégorie, puis là, c'est ça aussi avec l'arrondissement qui est plus championne, mais dans le sens où les citoyens sont impliqués, mais est-ce que vous avez besoin d'aide? La plateforme est là pour à qui veut bien répondre. Allez-y. Je peux peut-être proposer une piste de solution. Disons qu'avant, ça ne s'enseignait pas les élevages d'insectes dans les cégeps ou les universités. Donc, on a travaillé, on a développé des formations à la formation continue, entre autres avec le cégep de Victoriaville, le cégep de Lévis, le collège antique, pour former des initiés, des opérateurs de gestion de fermes. Il y a certaines de ces formations-là qui est en partenariat avec l'UPA aussi. Donc, on voit que c'est un nouveau secteur qui demande beaucoup de transferts technologiques et c'est ça encore aussi les activités de la vitrine technologique et l'accompagnement qu'on offre à d'autres producteurs. C'est que c'est pas tout le monde non plus qui est intéressé par la recherche, le développement, l'optimisation des procédés. Tu sais, il y a bien des producteurs, des éleveurs d'insectes qui veulent élever. Tu sais, des fois, c'est des producteurs de porc qui veulent changer de secteur, sont habitués d'élever du porc. Donc, ils ont des compétences qu'il faut pour élever des animaux, mais ils ont besoin d'une petite formation technique, d'un accompagnement pour dire, OK, attends, là, c'est plus une grosse bête d'une tonne qu'on élève, c'est une bête de 10 mg, là. C'est pas la même chose. Donc, nous, définitivement, c'est pour ça aussi qu'on accueille toujours des stagiaires dans nos locaux. Là, on a 3 stagiaires en biotechnologie du Collège Antique qui sont avec nous. On a des stagiaires d'à peu près toutes les universités, tous les centres collégiales, parce qu'il y a tellement à apprendre et à découvrir. Et ce qui est le fun, on a eu beaucoup de bénévoles aussi dans le passé. Les gens qui passent par chez nous ont tendance à vouloir revenir et continuer à s'engager. Des fois, ils vont rester là pendant plusieurs sessions à nos côtés parce qu'ils apprennent vraiment, ils voient qu'ils sont
à la fine pointe de l'innovation et que ça va les outiller pour leur employabilité dans l'économie de demain. Là. Donc, oui, définitivement, nous, on a besoin de main-d'œuvre. Je peux rebondir. Nous, je dirais, bien, c'est sûr que la main-d'œuvre est très, très spécialisée en recherche et développement, en gestion des matériaux, donc c'est tout ça, mais je dirais quand même le rôle important que joue tout le monde, le citoyen, dans les bonnes pratiques de recyclage aussi. Donc, c'est certain que nous, ce qu'on encourage, c'est que ce soit les bons produits souples, recyclables, qui soient mis dans le recyclage. Donc, évidemment, moins il y aura de produits qui ne devraient pas être là, moins ils vont se retrouver aussi dans les ballots et moins ça va faire de travail au niveau des centres de tri, au niveau d'enlever les contaminants. De faire des sacs de sacs. C'est un des trucs que Recyc Québec dit souvent de faire au niveau des emballages plastiques, mais de faire les fameux sacs de sacs. Puis je dirais, bien, il y a des projets pilotes qui s'en viennent de points de dépôt, par exemple, ou de consignes, où on essaie, nous, d'être là au niveau des emballages plastiques pour éviter justement que ça passe à travers tout le système et bien que ça nous soit peut-être un peu donné directement de meilleure qualité. Donc, c'est en tant que citoyen de continuer à participer à toutes ces belles initiatives-là qui sont faites dans vos quartiers puis qui vont aider justement à régler petit à petit les enjeux qu'on a plus gros dans les centres de tri notamment. Merci de votre contribution. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on parle de gestion de matières résiduelles, il y a toujours le point. Notre ancienne directrice mentionnait toujours réduction à la source, réduction à la source, réduction à la source. Avec une réduction à la source, est-ce que le fait de... Il y a toujours un risque pour vos organisations de réutilisation de ne plus avoir dans... Est-ce que c'est un rêve ou c'est risqué de dire que s'il y a trop d'économies à la source, vous n'aurez plus d'emploi? Mais c'est un peu justement un cercle vicieux, mais je pense que vous êtes bien parti pour avoir vraiment de l'innovation et des idées... Pour le futur sans contrainte. Donc, félicitations à tout le monde. Dernier petit point avant de finir, est-ce que vous avez des questions à vous poser? Ça, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant s'il y a quelqu'un qui avait envie de poser. Moi, j'ai une question pour Charles David, savoir si ça leur tenterait d'expérimenter faire des bioplastiques avec les carapaces de nos insectes résiduels, parce que c'est sûr que nous, les adultes, sans moins la reproduction, ils finissent leurs vieux jours, ils meurent de leur belle mort, donc on ne les recycle pas dans l'alimentation dans ce temps-là, mais on aimerait bien. On a fait des essais avec le Collège Antique, avec le Cégep Dawson. On est capable de faire des bioplastiques avec nos exuvies d'insectes. Donc, si ça vous tente de passer à une autre échelle, faire des essais avec nous, ça nous fait plaisir. Bien, c'est un point intéressant. C'est sûr que nous, on est toujours alerte à toutes les nouvelles technologies de plastique qui s'en viennent, notamment les bioplastiques. C'est souvent un enjeu d'échelle, là, comme tu l'as spécifié. Là, tu sais, c'est les quantités aussi qui sont importantes. Mais des fois, pour certains projets pilotes ou des trucs comme ça, on a déjà testé plein de types de plastique comme ça dans nos opérations. Puis ça peut nous faire plaisir d'être des cobayes et de les tester peut-être à plus grande échelle pour voir comment ils réagissent dans des conditions manufacturières, peut-être à plus grande ampleur. Donc, n'hésite pas à me contacter. On pourra travailler là-dessus sans problème. On travaille aussi beaucoup, nous, avec l'ITEGA notamment, là, qui est un des centres de Montréal en recherche en génie alimentaire et en emballage. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là pour avoir des gens qui nous aident à développer quelque chose. Donc, ça sera avec plaisir. Est-ce qu'on aurait une réalisation pour le gala 2022 ou 2023? Peut-être 2023. On va se donner quand même une année pour y arriver, mais qui sait? Génial. Sur ce, moi, je vais faire ma conclusion. Est-ce que vous aviez de votre côté, justement, un petit mot à rajouter après tout ça? Je pense que on a fait vraiment un beau tour. Merci énormément à vous quatre. Merci encore à la MMDD d'être l'hôte pour la conférence. C'est toujours un plaisir de voir puis de mettre en valeur des initiatives comme celle-là. C'est vraiment magnifique. Puis si on peut en plus faire de l'économie circulaire dans l'économie circulaire, là, on commence à avoir du fun en tabarouette. Moi, ça me plaît, ça. Tout est dans tout. Excellent. Donc, ma conclusion, sans les partenaires financiers du gala, on ne pourrait pas avoir, bien sûr, les conférences des lauréats.
Donc, j'aimerais remercier le partenaire distingué qui est le partenariat Climat Montréal, nouvel arrivant pour le gala cette année, un beau partenariat en perspective. Sinon, partenaire influenceur Communauto et Montréal, la ville de Montréal, partenaire associé Hydro-Québec, partenaires alliés, on a Énergir, Fonds de solidarité FTQ, Port de Montréal et Recyc Québec. Et bien sûr, vous pouvez revoir l'information sur toutes les réalisations, que ce soit les 45 candidatures, les 18 finalistes et les merveilleux 10 lauréats sur le gala.cremtl.org. Et ben justement, on parlait du gala 2021. On vient de le finir, gala 2022. L'ouverture des candidatures devrait se faire en janvier, donc 2022. Commencez à prendre des notes, commencez à retenir vos dossiers, à faire vos bilans. Je m'adresse à tout le monde. C'est vraiment, je pense que les lauréats qu'on a ici peuvent en témoigner. C'est vraiment un beau processus. Et tout le monde en est gagnant. Donc, je vous remercie tous et toutes de cette merveilleuse conférence et des trois dernières, donc les deux avant avec les trois conférences des lauréats ont été encore une très grande réussite. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout le monde va pouvoir aller mettre le nez dehors parce qu'il fait super beau. Puis sur ce, ben, faites attention à vos matières résiduelles puis pensez deux fois à ce que vous mettez à la poubelle, au recyclage et au compost. Merci tout le monde. Merci, à bientôt.